Chers téléspectateurs et chers élèves, la fois passée, nous avons, en philosophie bien sûr, nous avons parlé du premier thème. Nous avons enseigné sur le premier thème intitulé les notions relatives au sujet humain. Et nous avons défini ce que c'est que le sujet humain et j'ai résumé les notions dans ce thème-là, c'est-à-dire les différents chapitres. Nous avons eu 5 chapitres et j'ai résumé les 5 chapitres. Alors, notre logique est d'appuyer déjà ce qui a été enseigné en classe, c'est-à-dire les chapitres. Et on suppose que jusqu'aujourd'hui, il y a plusieurs chapitres qui ont été enseignés, et donc le premier thème serait évacué. Et c'est pourquoi j'ai simplement rappelé, j'ai fait un rappel de ces différents chapitres, les 5 chapitres. Aujourd'hui, nous allons continuer, plutôt au lieu de revenir encore en détail sur les chapitres précédents qui ont été résumés, nous allons continuer simplement avec le deuxième thème. Le souci, c'est de vous appuyer à gérer cette situation et éventuellement préparer votre examen. Donc, le deuxième thème est intitulé « Les notions relatives à l'homme et à l'action ». La notion fondamentale dans ce thème, c'est l'action. Alors, on se pose la question, qu'est-ce que l'action? La définition ordinaire est que l'action, c'est le fait de poser un acte. Quand vous chantez, ça c'est un acte que vous posez. Quand vous marchez, quand vous dansez, ça ce sont des actes en fait. C'est le fait de vous poser une action. Mais en philosophie, la notion de l'action va beaucoup plus un peu loin. C'est une opération propre à l'agent. Celui qui pose une action est un agent, celui qui subit l'action, c'est le patient. Donc, toute opération propre à l'agent qui consiste à façonner, à modeler la matière. Et cette opération se fait sans l'intervention d'une cause extérieure. C'est-à-dire, il y a la notion d'autonomie. Quand on pose une action, il faut que ça soit autonome, il faut qu'on soit soi-même. La cause, sinon la source de cette action. C'est dans cette perspective justement que André Lalande, dans son dictionnaire vocabulaire technique de la philosophie, il définit donc l'action comme le développement de la puissance qui appartient à l'agent par essence. Le développement de la puissance qui appartient à l'agent, c'est-à-dire celui qui pose cette action-là par essence. Essence, ça veut dire que l'individu a en lui naturellement une certaine puissance, un certain pouvoir qui se trouve à l'état de latence caché en lui, qui se trouve à l'état virtuel. C'est ce qu'on appelle les virtualités, c'est-à-dire le pouvoir que l'homme a naturellement en lui. Alors ce pouvoir-là, pour développer, pour faire éclore, pour manifester, pour attester, il faut de l'action. Ainsi, toute action vise une fin. Quand on pose une action, on a un objectif à atteindre. On a une fin à atteindre. Alors, cette fin à atteindre, elle est d'abord première dans l'intention, puisque avant de poser l'action, nous concevons d'abord la fin que nous voulons atteindre. Premièrement, il y en a déjà dans notre intention, cette action, cette fin-là. Et ensuite, nous mettons en œuvre des possibilités, des mécanismes, des moyens pour atteindre donc cette fin-là. Et donc, elle est dernière dans l'exécution. La fin est première dans l'intention et dernière dans l'exécution. Dans ce cas, la volonté devient nécessaire. Pour atteindre donc cette fin, il faut donc de la volonté. Chers élèves, quand on parle de la volonté, il y a des processus qui attestent effectivement que ce que vous faites relève de la volonté. Quelles sont donc les différentes séquences de ce processus-là? Premièrement, pour qu'il y ait volonté, il faut d'abord qu'il y ait la conception. Deuxièmement, il faut la délibération. Troisièmement, il faut la décision. Quatrièmement, il faut l'exécution. Quand vous exécutez, on dit, bon, mais ça relève de sa volonté. Je reprends les différentes étapes du processus de manifestation de la volonté. C'est la conception, la délibération, la décision et l'exécution. Dans ce cas, comme nous venons de dire,
Toute action vise une fin. Toute action implique nécessairement la volonté. Alors, nous disons, dans notre contexte, que la notion de l'action a donc une connotation, fait connotation. Il y a une extension de signification de la notion de l'action qui relève donc de la morale. Donc, par connotation, l'action implique la morale. Et c'est ce que nous étudions ici. Le sujet humain qui cherche à donner sens à son existence doit poser des actes concrets pour la réalisation, pour sa réalisation. Et ces actes concrets consistent, comme nous l'avons dit, à façonner, à modeler, en fait, à mettre en œuvre sa volonté. Et donc, l'action dont il est question est morale. Si l'action est morale, alors elle implique les notions suivantes qui constituent donc les chapitres, les différents chapitres dans ce thème-là. D'abord, le travail. Le travail est une notion qui appuie, qui met en évidence la notion, le thème de l'action, le travail. Ça, c'est le premier chapitre de ce thème. Deuxièmement, quand on travaille, il faut que les conditions de travail socialement soient garanties. Et donc, il faut une institution, sinon des institutions qui garantissent en termes de rapports qui sont au-dessus, donc de la société qui régente en quelque sorte, si vous voulez, mais qui dirige à travers le droit cette société. Et c'est de cette manière que l'individu qui travaille peut donc avoir cette quiétude et s'épanouir pleinement. La notion de l'État devient nécessaire. L'État, pour faire exécuter, donc pour mettre de l'ordre, utilise donc le pouvoir. L'État utilise, doit faire valoir son autorité. Et pour faire valoir son autorité, il faut que l'État ait la forme. D'où la notion, le deuxième chapitre de ce thème, État, pouvoir et les doctrines politiques. Mais les amis, si l'État existe, l'État doit chercher à réglementer les rapports entre les individus. Et pour réglementer les rapports entre les individus, mais il faut qu'il utilise le droit. D'où le chapitre sur le droit. Mais le droit est utilisé pour discipliner justement la violence. La violence est là. Et si la violence est disciplinée, si le droit est appliqué avec égalité, nous aurons affaire à la justice. Si la justice règne dans un État, tout le monde s'épanouit pleinement, d'où la liberté. C'est vrai, la notion de la liberté, le chapitre sur la liberté peut s'enseigner à deux niveaux. Soit sous le thème action, soit sous le thème métaphysique. Action, ici, c'est la dimension morale, c'est la dimension politique, donc la liberté politique, le respect de droit, le respect des lois. La dimension métaphysique, c'est le libre arbitre. Mais nous voudrions simplement rattacher cette notion, ce chapitre, à ce thème, deuxième thème, action, pour donc appuyer, sinon rendre complet les notions, les différentes notions que nous aurons à étudier. Après donc la liberté, vous savez, quand l'homme s'épanouit pleinement, il est libre, alors il cherche à satisfaire ses plaisirs, il cherche à réaliser le bonheur. Le chapitre sur les doctrines morales devient nécessaire. Et on adjoint finalement les relations internationales qui vient donc clôturer ce thème, ces différents chapitres. Et nous allons commencer naturellement par le premier chapitre que je viens d'annoncer dans ce thème, le travail et la question sociale. Le travail et la question sociale. Et comme je l'ai déjà signifié dans mon propos liminaire, nous ne sommes pas en train de donner un cours dans son entièreté, mais nous voudrions simplement vous appuyer dans cette circonstance pour vous préparer, pour vous aider à préparer et à être beaucoup plus précis dans vos cours. Et donc, je vais essayer, dans la mesure du possible, à présenter les éléments essentiels de ce chapitre, en commençant naturellement par la définition. Alors, le travail et la question sociale. D'abord, qu'est-ce que nous voulons enseigner dans ce chapitre? Ce chapitre voudrait simplement enseigner aux élèves que, en termes d'action, le travail permet à l'individu, en tant qu'activité consciente et intelligente, permet donc à l'individu de se réaliser pleinement, moralement, économiquement et aussi psychologiquement. Donc, le travail devient très nécessaire. Et c'est ce que nous voulons faire comprendre dans ce chapitre. Tout individu qui veut donner sens à son existence, comme nous l'avons signifié dans le premier thème, doit chercher à travailler pour se réaliser pleinement. Pour se réaliser pleinement,
c'est-à-dire de manière holistique, comme on le dit aujourd'hui, en ce sens qu'il doit d'abord se réaliser psychologiquement, s'épanouir psychologiquement, il faut le travail, socialement, il faut le travail, économiquement, il faut le travail. Donc, un épanouissement holistique est conditionné nécessairement par le travail. C'est ce que vous devez d'abord retenir. Commençons donc par la définition du concept de travail. Travail, étymologiquement, vient du latin tripalium. Tripalium, ici dans la tradition romaine, c'est un instrument à trois pieux qui permet donc d'immobiliser les cheveux généralement. Et cela fait que l'animal qui est immobilisé se trouve dans un état de torture. Donc on dit que tripalium est un instrument de torture. Cette définition étymologique implique l'idée de souffrance. L'animal immobilisé souffre parce qu'il a besoin d'être libre. Il veut se mouvoir. Il veut être en mouvement, mais il est immobilisé. Il y a la souffrance, mais il y a aussi aliénation. Ça veut dire qu'il n'est pas libre. Alors, cette définition étymologique implique deux notions, la souffrance et l'aliénation. Prenons cette définition et appliquons à la société humaine, par exemple. Dans la société humaine, l'expression qui spécifie cette définition étymologique est, par exemple, être en travail. Ça veut dire que dans cette expression, on a la souffrance, être en travail, la souffrance, mais aussi le fruit de cette souffrance. Généralement, cette expression est utilisée pour qualifier la femme enceinte qui voudrait accoucher, et avant l'accouchement, elle se met en travail. Il y a un travail qui s'effectue et elle sent de la douleur. Donc on parle souvent de la douleur de l'enfantement. Et pendant ce moment, on sent la douleur de la femme, comment elle transpire, comment elle fait des efforts. Il y a la contraction, quelquefois, les sages-femmes et les matrones la contraignent de beaucoup se contracter. Et vraiment, si le mari est là, je ne sais pas pour les faibles, ils vont tomber en syncope. Il y a l'idée de souffrance. La douleur de l'enfantement. Il y a l'idée de souffrance. Mais cette souffrance n'est pas une destination. Cette souffrance, c'est un moyen. Ça veut dire que dans tout ce que la femme est en train de faire, elle attend un fruit, elle attend une finalité qui va la réjouir, qui va lui donner de la joie. La souffrance, mais le fruit de cette souffrance. Le fruit de cette souffrance, c'est son enfant. Vous savez, après la douleur de l'enfantement, quand la mère fait sortir déjà, évacue déjà l'enfant, quand on entend, elle entend déjà le vagissement de son enfant, elle exprime une joie, et je voudrais dire, elle pense déjà à son mari, excusez-moi. Donc, cette expression met en évidence le mot labeur. Labeur, c'est la souffrance, à la fois la souffrance et le fruit de cette souffrance, le labeur. Quand tu vois déjà le fruit de cette souffrance, de ton travail, tu penses déjà à la souffrance comme moyen qui t'a permis d'arriver à ce fruit. C'est ça le mot labeur. Alors, il convient de souligner un peu le concept de travail dans la tradition judéo-chrétienne et hellénique aussi, c'est-à-dire chez les Grecs. Ces différentes traditions insistent sur l'aspect aliénation. Le travail est une aliénation. C'est pourquoi vous voyez dans ces traditions, le travail est considéré comme une servitude, comme un esclavage, et donc c'est réservé exclusivement aux esclaves. Donc ça vous met dans une condition inférieure. Travailler, c'est s'asservir, par exemple, dans ces traditions-là. Alors, il s'agit d'insister sur la spécificité humaine du travail. Mais est-ce que nous allons nous attarder indéfiniment sur ces traditions judéo-chrétiennes? Je ne pense pas. Là n'est pas notre objectif. Mais ce qui nous intéresse, c'est de voir qu'est-ce qui détermine la spécificité humaine du travail. En philosophie, ce qui détermine la spécificité humaine du travail, c'est que le travail consiste en une activité consciente et intelligente en vue de satisfaction des besoins. Je reprends encore. En philosophie,
le travail consiste en une activité consciente et intelligente en vue de satisfaction des besoins. Le travail, quand on travaille, on a des besoins, on veut satisfaire ce besoin, alors on travaille pour satisfaire ce besoin-là. Le travail, dans ce cas, a une implication morale, nous allons voir dans les détails un peu plus loin. Ainsi, nous, est-ce que, au regard de cette définition, est-ce que nous pouvons dire que l'animal travaille? Est-ce que l'animal travaille? Alors ça, c'est un débat houleux entre généralement les enseignants et les élèves, parce qu'ils disent que bon, mais les bœufs d'attelage travaillent, monsieur, les ânes qui puisent l'eau un peu plus, ou bien qui participent à l'extraction d'huile de sésame, nous avons vu quelque part, eux aussi, ils travaillent, voilà. Mais voyons la définition. Nous disons que le travail est une activité consciente, une activité intelligente, en vue des satisfactions. Parce que pour satisfaire ces besoins-là, il faut donc la transformation de la matière, ou bien de la nature. Vous voyez les amis, une activité consciente, une activité intelligente, qui consiste à transformer la matière, ou bien à transformer la nature, et quand on parle de la nature, aussi la nature humaine, hein, la nature cosmos, qui est donc la nature physique, le milieu physique qui nous entoure, mais aussi la nature humaine, notre propre nature. Le travail nous permet de transformer aussi notre propre nature. Mais cette double transformation permet de satisfaire les besoins, parce que nous avons des besoins, c'est pourquoi nous travaillons. C'est pourquoi nous travaillons. Donc, l'animal est dépourvu de conscience. En fait, c'est ce que nous étudions jusqu'à là. Même si aujourd'hui, les études sont en train d'être menées pour déterminer le niveau de l'intelligence des animaux, ou bien de déterminer si l'animal a une conscience. Jusque-là, nous n'avons pas encore de résultats scientifiques à notre disposition, mais nous nous appuyons sur ce qui existe, les travaux déjà accomplis, qui nous disent que l'animal a un instinct, mais n'a pas la raison. Et comme elle n'a pas la raison, comme il n'a pas la raison, il n'a pas non plus la conscience, il n'a pas une intelligence dynamique en termes de pensée, en termes d'activité de la pensée. L'intelligence dont il est question ici met en évidence l'activité de la pensée. C'est ce que Descartes appelle l'intellection. Donc c'est l'activité de la pensée. Ce n'est pas une intelligence animale. Dans ce cas, alors nous disons que l'animal ne travaille pas. Elle n'a pas la pensée, elle n'a pas de raison, elle n'a pas conscience, elle n'a pas une intelligence en tant qu'activité de la pensée. Donc, l'animal ne travaille pas. Alors, qu'est-ce que l'animal fait? Premièrement, retenez, l'animal est dressé, l'animal est conditionné par l'homme pour accomplir la volonté de l'homme lui-même. L'animal ne peut pas vous dire que, bon, monsieur, je vais aller au champ travailler. Il ne vous dira pas ça. C'est vous qui le conditionnez, ce qu'on appelle les bœufs d'attelage. Vous le conditionnez à cultiver. Donc, c'est un conditionnement de l'homme. Ça, c'est un. Parce qu'il est dressé. L'éducation de l'animal, c'est le dressage. Deuxièmement, ce que les animaux accomplissent comme des actes similaires, ou bien comme activités similaires à celles de l'homme, est lié à leur instinct. Ce qu'ils font est lié à leur instinct. Prenons le cas de l'araignée qui construit sa toile. C'est une maison, bien sûr. Mais cette construction est liée à ses cellules, donc à son instinct. Il n'y a pas un travail de conception, il n'y a pas un travail de délibération, il n'y a pas un travail de décision, mais directement d'exécution. Je vous en prie. Donc il n'y a pas ces processus-là chez l'animal. Vous prenez par exemple, vous allez me dire, mais l'abeille qui construit sa ruche fait aussi un travail similaire, comme Descartes l'a dit. Même l'abeille la plus experte ne peut pas être supérieure, ne peut pas dépasser le maçon le plus maladroit. Non, je ne pense pas. Parce que le maçon a sa maison dans sa tête avant de matérialiser. Mais l'abeille, elle, a sa ruche dans ses cellules. Il n'y a pas conception, il n'y a pas délibération, il n'y a pas décision, mais il y a directement exécution. C'est pourquoi nous disons que l'animal ne travaille pas. L'animal, l'activité accomplie par l'animal, d'une part, est liée à son instinct,
D'autre part, il est conditionné à accomplir la volonté humaine. Mais l'animal lui-même ne travaille pas. Et comme l'animal ne travaille pas, alors qu'est-ce qui fait la spécificité humaine du travail? Quels sont les éléments? Quels sont les mécanismes qui attestent que le travail est le propre de l'homme? Nous avons déjà signifié, parce que c'est une activité intelligente, c'est une activité consciente qui consiste à transformer, à modéler, à concevoir la matière et satisfaire les besoins. Ça, c'est un élément. Nous allons considérer encore d'autres éléments qui attestent que le travail est exclusivement humain. L'homme n'accepte pas les données brutes de la nature, non. L'homme ne satisfait pas ses besoins en allant manger en brousse et puis revenir, non. Il y a quelque chose, il y a un travail qui s'effectue pour satisfaire ce besoin. Pour cela, le premier élément fondamental, ou bien le deuxième, mais n'a plus que activité consciente, le deuxième élément qui vient appuyer, qui vient attester que le travail est exclusivement humain, c'est l'organisation du travail. L'homme s'organise dans son travail. C'est ce qu'on appelle la division du travail. La division du travail est la répartition des tâches selon les aptitudes naturelles, d'abord selon Platon. C'est vrai, il y a ce qu'on appelle la division par sexe du travail, parce que dans une famille naturelle, la division naturelle du travail par sexe, vous arrivez dans une famille, les filles sont à la cuisine avec leur maman, les garçons peut-être appuient leur papa dans ses activités, ainsi de suite. Ça, c'est une répartition naturelle. Et il n'y a pas une formation préalable, mais c'est une division naturelle. Mais un peu plus loin, vous savez que quand on choisit une activité, il faut que cette activité corresponde à tes aptitudes naturelles. Et Platon a insisté particulièrement sur cet aspect. On ne peut pas choisir une activité si on n'est pas capable de l'accomplir, puisqu'on ne peut pas satisfaire ses besoins comme il se doit. Donc, la répartition des tâches se fait selon les aptitudes naturelles, mais aussi selon les besoins. Donc, chacun choisit une activité selon son aptitude pour satisfaire ses besoins, mais aussi satisfaire les besoins des autres, satisfaire ceux des autres. Et donc, dans cette division du travail, le cultivateur est choisi parce qu'il a ses aptitudes de cultiver la terre, le maçon, cette aptitude de construire des maisons, le tisserand, cette aptitude de tisser, je ne sais pas moi, les tissus, les habits, et le cordonnier de construire, donc, de fabriquer donc, les chaussures. Et donc, en satisfaisant ses propres besoins, il satisfait aussi les besoins des autres. Donc, il y a un système d'échange, c'est ce que nous appelons traditionnellement ce système de troc. Et cet échange-là, entre les hommes, à travers les productions de leur travail, est à l'origine de la société. La société a commencé avec la division du travail. Je m'en vais, ce n'est pas pour définir la société. La société n'est pas la somme d'individus dans un milieu donné, mais les rapports entre les individus, les relations entre les individus dans un milieu donné. Vous pouvez vivre ensemble. Si vous n'avez pas de relations entre vous, c'est que vous ne constituez pas encore une société. La société, c'est cette relation. Cette relation d'interdépendance entre les hommes dans un milieu donné. Donc, la division de travail, selon Platon, a plusieurs avantages. D'abord, l'habileté. En faisant le même travail pendant longtemps, on cultive cette habileté, ce qu'aujourd'hui nous appelons la spécialisation. On se spécialise dans le travail. Deuxièmement, l'économie du temps. Quand on choisit une seule activité, on fait l'économie du temps. Imaginez celui qui est à la fois maçon et cultivateur. Il finit d'abord son travail au champ, après il fait quelques heures et il revient, il va pour construire les maisons. Mais il perd du temps là. Mais quand on consacre son temps pour une et une seule activité, alors on fait l'économie du temps. Mais aussi, on produit en quantité et en qualité. On produit en quantité et en qualité. Donc cette production en quantité et en qualité constitue un avantage particulièrement intéressant dans la division de travail. Nous voulons ajouter les avantages mis en exergue, en évidence par Durkheim, ce sociologue, qui dit « Mais par la division du travail, nous passons de la solidarité organique à la solidarité mécanique. » La solidarité organique, c'est une solidarité individualisante, c'est fermé, il n'y a pas une ouverture. Alors que la division du travail met en place ce qu'on appelle l'interdépendance entre les hommes, donc on sort de cette individualité pour aller vers les autres et on réalise ce qu'on appelle la solidarité mécanique. Au-delà, il existe dans la division du travail
La relation interpersonnelle d'abord et interprofessionnelle. Un médecin, il a besoin d'un enseignant pour la formation. Un enseignant, il a besoin, je ne sais pas, aussi d'un médecin pour ses soins. Donc, non seulement une relation interpersonnelle, mais une relation, mais des relations, mettons au pluriel, c'est mieux, des relations interprofessionnelles. En conclusion, selon Durkheim, la division du travail participe au développement de la personnalité parce que chacun se voit au moins source d'une action. Donc, ça participe au développement de la personnalité. Voilà, en quelque sorte, les avantages de la division du travail. Et c'est l'élément qui atteste davantage que le travail est exclusivement humain. Un autre avantage, un autre élément, un autre mécanisme qui explique que le travail est exclusivement humain, c'est cette dimension morale et cette dimension de libération. Le travail nous permet d'assumer pleinement notre responsabilité. C'est ça la dimension morale. Quelqu'un qui travaille, il assume une certaine responsabilité. C'est d'abord cette dimension. Alors, la responsabilité se situe à trois niveaux. D'abord, la responsabilité vis-à-vis de son créateur. Il doit attester que lui qui est créé là, c'est un homme qui a la raison et il doit faire valoir. Il doit attester vraiment sa valeur d'homme. Et il prouve à son créateur que lui, il n'est pas sorti de quelque part. Mais il est sorti d'une main bien faite. Donc la responsabilité vis-à-vis de son créateur. Et cette responsabilité vis-à-vis du créateur produit déjà la bénédiction. Et Max Weber de dire que la répugnance au travail, celui qui n'aime pas le travail, la répugnance et le dégoût, celui qui n'aime pas le travail, manifeste ce symptôme d'absence de grâce. Absence de grâce, c'est une absence de bénédiction. Celui qui ne travaille pas ne peut pas obtenir la bénédiction divine. C'est important chez Max Weber. Donc, cela met en évidence cette bénédiction vis-à-vis du Créateur. Je disais toujours à mes élèves, hein, je disais, mais écoutez, Dieu a créé du pétrole. Il a mis sous la terre. Et c'est à l'homme de travailler. Vous voyez, pour accomplir cet acte, le pétrole a été créé. Mais Dieu dit, non, moi, je ne te mettrai pas ouvert comme ça pour que tu viennes cueillir. Mais je mets sous la terre. Maintenant, je t'attends. Il faut accomplir cet acte créateur. Il faut travailler, il faut creuser, il faut de l'intelligence, aller à l'école. Le pétrole est sous nous ici, mais il faut aller étudier beaucoup pour venir étudier et voir, creuser pour savoir. C'est ça l'accomplissement de l'acte créateur. La responsabilité vis-à-vis de son créateur. La responsabilité vis-à-vis de soi-même. C'est ça la dimension morale. Travailler, c'est accomplir cette responsabilité vis-à-vis de soi-même, mes amis. Emmanuel Kant nous dit ceci. Le travail nous permet de parvenir à l'estime de soi. Quand nous travaillons, on est fier de soi-même. Quand vous travaillez normalement, vous êtes fier de vous-même. C'est d'abord votre fierté. Et Kant d'ajouter, cette estime de soi est attestée par l'usage de la raison. Et l'usage de la raison permet de passer de la plus grande rudesse à la plus grande habileté et surtout à la plus grande perfection de son mode de pensée. Ça, c'est individuel, c'est soi-même. Vous voyez vous-même que les élèves qui sont intelligents, qui travaillent bien en classe, sont respectés par leurs amis. Ils sont fiers d'eux-mêmes, ils n'ont peur de rien. Même si le professeur, il vient, il programme, il surprend les élèves avec une interrogation, il est prêt à passer. Mais celui qui ne travaille pas, il a toujours des objections à faire. Non, monsieur, nous n'avons pas préparé le cours. Non, monsieur, nous allons faire ceci. Et je sais qu'aujourd'hui, vous êtes en train de vous inquiéter à cause de l'examen. Ce qui dépend de vous, c'est de travailler, c'est d'étudier. Cela met en évidence l'estime de votre propre personnalité. Troisième élément de la dimension morale du travail, c'est la responsabilité vis-à-vis de la société. Quand on travaille, on assume sa responsabilité vis-à-vis de la société. On n'est plus sous la charge des parents, mais on s'écarte, on a même des charges. Et on soulage les parents. Responsabilité vis-à-vis des parents. On met au service des autres notre compétence, notre connaissance en travaillant. Donc nous assumons notre responsabilité vis-à-vis de la société. Pour me résumer sur la dimension morale du travail, le travail
La dimension morale du travail s'explique exclusivement par la responsabilité. Responsabilité vis-à-vis du Créateur, parce que ça produit la bénédiction. Responsabilité vis-à-vis de nous-mêmes, parce que ça nous permet de parvenir à l'être estime de soi. Et responsabilité vis-à-vis de la société, parce que nous mettons nos compétences et nos connaissances au service de la société. La dimension morale aboutit inévitablement à la libération. Le travail libère. La finalité de la responsabilité, c'est la libération. Donc, il faut que nous comprenions et il faut retenir, c'est très essentiel. Généralement, quand on parle du travail, est-ce que le travail libère l'homme? On est là, on parle de Hegel, a dit, dialectique du maître et de l'esclave, sans souligner l'aspect moral qui est déterminant dans la compréhension de la libération. Je viens de parler de l'aspect moral, la dimension morale. Et cette dimension morale est donc déterminée par la responsabilité. Responsabilité vis-à-vis de soi, responsabilité vis-à-vis du Créateur, responsabilité vis-à-vis de soi et responsabilité vis-à-vis de la société. La libération. Quand on assume pleinement ces différents aspects de responsabilité, on se libère. Le travail libère, dit-on. Alors, en parlant de... Quand nous enseignons sur la dimension de la libération, nous prenons toujours la dialectique du maître et de l'esclave. Et justement, la dialectique du maître et de l'esclave, je vais un peu insister là-dessus, parce que c'est vrai, on enseigne, mais il y a des aspects quelquefois qui ne sont pas mis en évidence, mis en exergue pour comprendre fondamentalement l'esprit, sinon la pensée de Hegel. Alors, pour parler de la dimension libératrice du travail, nous allons prendre la dialectique du maître de l'esclave de Hegel. Hegel imagine deux hommes libres qui ont accepté d'aller en duel, c'est-à-dire en lutte, et le principe dit que le plus fort doit tuer le plus faible. Le principe est là, mais les deux ont accepté. D'accord, nous sommes d'accord. S'il est fort, il me tue. Si je suis fort, je le tue. Voilà, les hommes ont accepté d'aller en duel. Maintenant que le plus fort arrive à maîtriser le plus faible, il devait le tuer. Mais le plus faible dit, écoute, toi je sais que tu es déjà plus fort parce que tu me maîtrises. Je sais que tu vas me tuer, mais tu ne comprends pas une chose. Si tu me tues, moi je perds la vie et toi aussi tu perds un esclave. Tu ne comprends pas ça? Le plus fort dit, mais ah bon? Oui, si tu me tues, maintenant tu peux me tuer, je sais. Mais si tu me tues, tu perds un esclave. Je perds la vie, moi aussi je perds la vie, mais toi aussi tu perds un esclave. Alors le plus fort dit, mais alors qu'est-ce qu'il faut faire? Maintenant si tu me donnes la vie, je gagne la vie et toi aussi tu gagnes un esclave. Ah bon, d'accord, comme ça je te donne la vie. Ah si tu me donnes la vie, moi aussi je deviens ton esclave. Alors le plus faible devient l'esclave et le plus fort devient donc le maître. Ils sont partis. Nous sommes en train maintenant d'établir une relation de domination entre le maître et l'esclave, autrement dit entre le plus fort et le plus faible. Alors, le plus faible se met à travailler. L'esclave se met à travailler. Le plus fort, c'est-à-dire le maître, se replie maintenant dans l'oisivité pour jouir de sa témérité, c'est-à-dire de son esclave qui est là et qui fait tout à sa place. Il se replie. Et en se repliant, en continuant à vivre dans cette oisivité, dans cette passivité, les muscles s'atrophient, il devient faible et il est là. Au contraire, l'esclave se met à travailler. Comme nous l'avons dit, il transforme d'abord la nature, il transforme sa propre nature, et ces deux transformations aboutissent donc à la transformation de sa situation de servitude-là. Il travaille, il développe ses muscles, et alors progressivement, lui, il devient donc le maître de son maître. Qu'est-ce que nous pouvons retenir dans cette dialectique du maître et de l'esclave? D'abord, le principe de départ est que pour Hegel, le travail est formateur. Le travail est un facteur de formation de la conscience. Le travail permet à l'homme de se former. C'est un facteur de formation. Ensuite, pour arriver à cette formation, à la finalité, qui est donc la libération, il y a trois moments dans cette dialectique du maître et de l'esclave. Premièrement,
il y a ce que lui-même il appelle le premier moment, le tremblement de la singularité de la conscience. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y a d'abord premièrement le sacrifice. Chacun a sacrifié sa vie biologique. Chacun a pris le risque de mort. Il accepte de mourir. Donc il y a ce risque. Il prend ce risque de mourir. Et vous voyez, dans notre vie quotidienne, chacun prend au moins le risque. Vous élèves, vous déplacez, vous quittez la maison pour l'école, vous vous frottez la circulation dense, vous vous faufilez. C'est des risques. Vous prenez ce risque de mort quelquefois. Les accidents, on ne sait jamais. Mais chacun prend ce risque-là pour arriver. Alors, et un adage de dire, qui ne risque rien, je voudrais que vous complétiez, n'a rien. Il faut prendre ce risque. Et c'est ça le premier moment dans la formation de la conscience. Le deuxième moment, c'est le sentiment du néant de l'égoïsme. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand le plus fort a maîtrisé le plus faible, si le plus faible est orgueilleux, il va dire que moi, je ne veux pas être ton esclave. Si tu me tues carrément, moi, être ton esclave, je n'accepterai jamais être ton esclave. Tu me tues. Et quelquefois, étant couché, il risque même d'agresser encore le plus fort. Mais non, cet égoïsme-là, il a poussé loin. Cet orgueil-là, il a laissé tomber. Il s'est humilié. Tu me donnes la vie, je deviens ton esclave. Dans toute entreprise humaine, si vous ne vous humiliez pas, vous n'allez pas voir ce qui doit venir. Il faut toujours se soumettre. Il faut toujours s'humilier. Il faut toujours accepter ces conditions-là. Les conditions que vous imposez au travail. Les règlements, le règlement intérieur de votre établissement, les décisions que le gouvernement prend aujourd'hui pour notre propre santé. Il faut se soumettre. Il faut accepter ça. Mais puisque nous sommes en train de viser plus loin, pour minimiser les risques, pour éviter que cette situation s'aggrave. Il faut se soumettre, il faut accepter. Donc le deuxième moment, c'est l'humilité. Le troisième moment, c'est donc l'obéissance. Tout ce que le maître dit à l'esclave, il exécute. Il obéit. Oui, maître. Oui, maître. Oui, maître. Et dans toute cette obéissance, il vise quelque chose. Il faut obéir. Une décision est prise, il faut obéir. Il faut accepter les conditions, il faut se soumettre, l'humilité. Donc, les trois moments se résument par les expressions suivantes. Premièrement, nous avons parlé de manque de l'égoïsme. Il ne faut pas être orgueilleux. Il faut être humble. Deuxièmement, il faut être obéissant. Il faut accepter les conditions qu'on vous impose pour un bien quelconque. Troisièmement, il faut être obéissant. L'humilité, l'obéissance et la soumission vous permettent donc de réaliser, de vous réaliser pleinement, d'être libre. Alors, Hegel conclut en disant, ces trois moments déterminent donc la formation de la conscience, en ce sens que c'est lui qui n'accepte pas cette discipline que nous venons de citer, ne peut pas être apte à commander. Si nous voulons commander demain, il faut donc avoir accompli ces trois moments-là qui sont formateurs dans la conscience. Et donc, le travail implique nécessairement les trois moments de formation de la conscience dont la finalité est la libération. Et nous disons donc que le travail humanise l'homme. Enfin, pour clôturer les éléments qui attestent que le travail est exclusivement humain, nous avons le loisir. Après un travail harassant, après un travail difficile, après des pressions, après un moment de stress, d'angoisse, il faut que le corps humain, il faut que l'esprit humain se libère. Le loisir se définit comme le temps libre après un temps de travail. Ce temps libre permet de se recréer, de s'épanouir, de reconstituer son organisme physique,
mais aussi son mental. C'est pourquoi Herbert Marcuse disait « Le temps libre disponible pour le plaisir est la récréation de l'énergie en vue d'un travail futur. » Le temps de loisir nous permet de nous récréer. Et quand on se recrée, on se reconstitue. On réélabore l'énergie pour une éventuelle reprise. De Ménac d'ajouter que le loisir offre à l'homme des possibilités que celui-ci ne trouve nulle part ailleurs. Non, le loisir, on ne peut pas trouver dans le travail. Quand on est en plein travail, on ne doit pas avoir un temps de loisir, non. On ne doit pas avoir un temps de distraction. C'est pourquoi vous voyez que dans un travail, quand vous êtes un peu distrait, on dit, écoutez, ici on travaille, on n'est pas ici pour se distraire. Ici, on doit travailler. Mais justement, le temps de travail n'est pas un temps de distraction. C'est le temps de loisir qui est un temps de distraction. Et ça, il faut qu'on fasse très attention. Alors, en dernière instance, le loisir est un temps de préparation pour une éventuelle reprise du travail. Je voudrais revenir sur un aspect que les élèves cherchent toujours à comprendre. Ils me posent la question de savoir, mais est-ce que, messieurs, quelquefois on utilise le temps de loisir pour travailler aussi. Voilà. Le temps de loisir, même si nous utilisons ce temps pour travailler, le travail effectué dans cette tranche de moment-là n'est pas un travail obligatoire. C'est un travail volontaire. C'est un travail sans pression. C'est un travail pour vous permettre de vous épanouir. Mais ce n'est pas un travail avec pression. Vous devez vous présenter au travail à 7 heures. Vous devez finir à 14 heures. Pourquoi vous ne venez pas au travail? Non. Le travail pendant le loisir est un travail volontaire, libre, sans pression. Attention. Si vous utilisez votre temps de loisir pour accomplir encore des activités professionnelles, alors le travail devient déjà une aliénation. Le temps de loisir ne doit pas être le prolongement du temps de travail. Ça veut dire quoi? Je suis enseignant. Si je prends un temps de loisir, je ne dois pas pendant ce temps préparer encore le cours. Non. Je dois consacrer au cinéma, à la promenade, au sport, à la lecture, à d'autres choses qui doivent libérer un peu mon esprit de cette monotonie de copier, je sais pas, d'écrire, de leçons, ainsi de suite. Alors, le temps de travail, même s'il est utilisé pour travailler, le travail accompli pendant ce temps est libre et volontaire. Alors, est-ce que le travail peut nous permettre de réaliser nos plaisirs, nos besoins de manière économique? Est-ce qu'on travaille pour avoir un salaire? Et la question de la rémunération, c'est la deuxième partie intitulée « La question sociale » que nous allons investir. Alors, je voudrais simplement résumer cette partie parce que elle met en évidence l'aspect véritablement d'aliénation en tant que système, économique, politico-économique. Alors, la question sociale pose le problème de la rémunération parce que il faut chercher à résoudre les difficultés sociales et surtout le problème de la misère qui se pose aux travailleurs. Donc, trouver des solutions. Alors, pour trouver des solutions, parce que le travailleur n'arrive pas quelquefois à satisfaire ses besoins pleinement par son salaire. Le salaire ne lui permet pas de satisfaire ses besoins. Et c'est ça ce qui est discuté précisément dans cette partie de la question sociale. Alors, pour ne pas aller plus loin, nous disons que la question sociale a été beaucoup plus analysée par Karl Marx dans son œuvre Le Capital, où il a critiqué le système capitaliste qui, selon lui, est un système d'exploitation de l'homme par l'homme. Parce que le système capitaliste a divisé la société en deux classes. D'abord la classe bourgeoise, ensuite la classe prolétarienne. Et la classe bourgeoise, c'est cette classe qui détient le monopole, le capital. Et la classe prolétarienne, c'est la classe des ouvriers, la classe ouvrière, qui est au service de la bourgeoisie et du capitaliste. Et donc, le capitaliste
avec ce libéralisme économique où il y a cette autonomie du marché et quelquefois de prix même des articles de prix du marché. Alors, ce principe est appliqué aussi à l'homme qui, malheureusement, se voit son salaire fixé par l'employeur. Et donc, ce salaire ne répond pas à ses exigences. Quelquefois, le travail accompli n'est pas payé comme il se doit. Et donc, il y a cette situation d'exploitation de l'homme par l'homme. À tel enseigne que l'ouvrier qui accomplit un travail ne se sent pas réalisateur de ce travail. Ça n'importe pas sa marque. Il devient étranger à son produit. Il ne gagne pas le salaire comme il se doit. Et quelquefois, les heures supplémentaires accomplies ne sont pas payées, ce qu'on appelle la plus-value, les bénéfices du capitaliste. Et ça pose un problème véritablement sérieux à la classe ouvrière qui finalement est obligée d'envoyer sa femme dans les machines, dans les usines pour aller travailler, même ses enfants pour aller travailler. Donc il y a, on dit toujours, la polarisation sociale, c'est-à-dire il y a toujours un écart entre les deux. Vous, toi ouvrier, tes enfants doivent être des ouvriers, ta femme ouvrière. Et le capital, vous n'avez pas la chance de renverser. Donc vous êtes condamné. Vous voyez, c'est... Et le travail devient véritablement une aliénation. Pas une aliénation comme passage, mais une aliénation comme situation finale même. Tu n'es ouvrier, tu meurs ouvrier, tu ne te réalises pas. C'est ça l'aspect aliénant du travail dans le système capitaliste. Le travailleur devient étranger à ses produits et donc il ne se réalise pas pleinement. Il devient esclave de son travail. Quelles sont les solutions ? Karl Marx propose par exemple le communisme, qui est un système de justice où règne la justice, que les ouvriers doivent avoir la chance aussi d'accéder, d'être, je ne sais pas moi, des actionnaires dans les entreprises. Malheureusement, ce système n'a pas réussi dans le monde et ça a connu un peu de problèmes. Cependant, quelques modifications de systèmes existants capitalistes ont été constatées. Par exemple, l'abolition du travail des enfants dans les entreprises. Et vous avez la création déjà de l'intersyndicale qui permet donc la revendication des droits des travailleurs. Et ils ont obtenu gain de cause avec les congés, la réglementation des heures de travail et aussi le salaire, qui constitue donc un aspect vraiment sacré pour le travailleur et donc très fondamental, en tout cas dans la réalisation sociale. Voilà en résumé ce que nous pouvons dire de la question sociale qui concerne donc la rémunération, le salaire qui malheureusement ne permet pas à l'ouvrier de satisfaire ses propres besoins. Même si aujourd'hui nous assistons justement à des luttes syndicales qui quelquefois sont diluées, vous voyez, sont quelquefois diluées, je ne voudrais pas apporter beaucoup de détails, mais diluées justement parce que ça ne parvient pas à l'obtention, vous voyez, de résultats attendus, bien sûr. Mais de toutes les façons, il y a quand même ce sentiment d'humanité qui s'installe déjà dans le monde du travail. En conclusion, nous pouvons dire que le travail permet à chaque homme de se réaliser pleinement, puisque ce travail est une activité consciente, intelligente, qui consiste à transformer la matière, à développer la puissance, afin d'attester, de réaliser pleinement son être en tant que personne humaine. C'est pourquoi, quand on se met à travailler, il faut mettre du sérieux pour avoir un bon résultat. Je vous remercie.